Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation brute dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro, les amis. Je me nomme Ise Brassel, je serai votre présentatrice du jour et j'ai avec moi de la belle compagnie. Comme d'habitude, j'ai avec moi Manuel Hébert. Et bonjour tout le monde. Hicham El Amoury. La belle pure élevée au grain. Eh ouais, tout ce beau petit monde pour faire 3 improvisations en 30 minutes. Est-ce que tout le monde n'est pas heureux? Je sais pas, il faudrait demander aux auditrices. Oui. Et c'est ok de pas être heureux finalement. Ah bah oui, mais tout le monde, moi je sais pas répondre pour les autres. C'est vraiment fléau, c'est quoi, je vais prendre la parole pour toutes ces gens. Bref, heureusement, dans toute cette darkness et tout ce manque de support et d'amitié, j'ose le dire. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée très spéciale du monde de l'improvisation belge. Attention, je vais vous déballer la liste de tout ce qu'elle a fait dans sa life d'improviser. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un qui a été au Camp Pro en 2012? C'était là qu'étaient ses débuts dans l'improvisation théâtrale. Mais que elle? Attention, pas à moi aussi, mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a aussi eu son intégration de l'équipe des Killer Bueno, qui sont des anciens adolescents de la FBIA. Il y a eu ensuite la création et sa participation aux Licornes de Brume, qui d'ailleurs ont fait le tournoi interuniversitaire et une année de championnat adulte. Sa participation à la SNU, 2 ans chez les Motus et même, je dois le dire, une victoire en 2023 du championnat adulte. C'est Marie Chauderlot. Tout ça, waouh. Même moi, je suis choquée, quoi. Bonjour Marie, ou comme certains t'appellent Mama Chocho, c'est d'ordre public, je peux dire ce genre de choses. C'est mon nom sur Instagram qui apparemment devient une manière de me nommer. C'est vrai? Ouais, auto-désigner moi-même Mama Chocho. Mais c'est pas une histoire de soirée ou de c'était quoi cette histoire? Je me suis dit, je dois me trouver un pseudonyme. Parce que Marie, c'est pas un... Pas vraiment pseudonyme, c'est pas pseudo... Ouais, c'est ça. C'est pas un prénom pseudonymisable hyper facile. Et donc, je me suis dit, je vais prendre la première syllabe de mon prénom et de mon nom de famille. Et on va les doubler, ça va faire Mama Chocho. Et du coup, c'est comme ça aussi des fois que j'appelle mes amis, j'en ai fait un truc. Ah, donc c'est toi qui as lancé le truc. Oui, tout à fait. Donc... Si on le faisait ici, ça donnerait... Wow. Mama hé. Et ça ferait hihi LL. Hihi LL, waouh. Et Isis Brabra. Isis Brabra. Parce que c'est pas un pronom de drague. On dirait Brabant Wallon, Brabant Flamand. On dirait le début d'un rap du Brabant Wallon. J'imagine des mecs avec des SUV et des chemises qui font This is Brabra. C'est moi. C'est pas mal, moi j'aime bien. Mais merci de ta présence ici, Marie. Merci de votre invitation ici. Comment tu te sens aujourd'hui? Eh bien, je me sens bien. Il faut dire qu'il fait beau et que ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe les corps. Avant tout. Et surtout le tien. Oui, grave. Tu as des belles couleurs d'ailleurs. Eh ben merci. Peut-être des restes de mes vacances en Thaïlande. Oh, le soleil de Bruxelles, je dois dire, peut-être. Mama Chocho, elle a eu chaud. Hein. Oh, elle a chaud. Marie. Pardon. C'est pas grave. It's okay. Ah, ça va, Manu, arrête. Hein. Ton expression est plus humiliante que toute autre vanne que t'aurais pu répondre. Marie, très chère, j'ai comme lourde tâche de te poser une question intelligente sur ton lien avec l'improvisation théâtrale, parce que je présente. Mais je sais aussi que tu as un métier en lien avec le cinéma. Est-ce que tu veux bien d'abord expliquer aux auditrices qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, à part l'improvisation? Ça aura un lien. Eh ben, je réalise des films, ou du moins, j'essaye. Là, je sors d'études, donc j'ai pas encore expérimenté ce métier au-delà de l'école. Mis à part que j'ai quand même réalisé des clips musicaux, mais et autrice, donc scénariste, réalisatrice de films. Est-ce qu'on peut déjà applaudir ça, par exemple? Restez au fait de Mama Chocho. Il y a un chat qui s'est assis sur le téléphone de Dizou. C'est pas grave, j'en avais plus besoin. Eh ben. Et Manu s'apprêtait à faire un effet. Bon d'accord, je le lance. Ouais, formidable.
incroyable. Ça y est, ça va être un épisode où Manu va vouloir appuyer sur les boutons tout le temps. C'est si drôle, Hicham. C'est... Oh putain, mais je crève. Et ma question, du coup, est en lien avec le jeu théâtral, l'interprétation plutôt. Parce que l'interprétation dans le cinéma et l'interprétation dans l'improvisation a tendance à être opposée dans la culture belge, en tout cas, et beaucoup dans la culture francophone. Que le jeu improvisé et le jeu cinéma sont inconciliables. Qu'est-ce que tu en penses ? Waouh ! Question deep. C'est deep. En vrai, moi, je trouve que... je trouve pas ça tant opposé, parce que justement, je trouve que dans l'impro, il y a le fait qu'on doive assez vite rentrer dans des personnages et du coup, dans des situations un peu out of the blue. Et je trouve que dans le cinéma, comme c'est très entrecoupé, on doit des fois assez vite se mettre dans une énergie aussi. On n'a pas toujours l'occasion de faire des prises de 5 minutes où on fait toute la scène. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, faire de l'impro, ça donne aussi des clés pour les actrices au cinéma. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes qui demandent un peu cette capacité à leurs actrices, et donc de pouvoir improviser facilement. Et je pense quand même que c'est un art que... que je pense que si on fait pas de l'impro activement, c'est difficile de le faire bien, quoi. Oui. Sans être redondant dans ce qu'on dit ou inintéressant par l'écriture, parce qu'on a une écriture spontanée, quoi, mine de rien. En impro, on écrit tout autant qu'on joue. Grand, c'est beau. Et oui. Mais en dehors d'être très d'accord avec ton opinion, je pense que c'est un message important pour à la fois les gens du cinéma et les gens de l'improvisation. Les gens du cinéma, arrêtez de juger à la discipline, parce qu'il y a plein de couches à cette discipline, comme tu le dis si bien. Plus on pratique, plus on est bon, plus ça devient utile. Et puis les improvisateuristes, n'ayez pas peur de tenter le cinéma. C'est pas, vous ne serez pas... Vous serez peut-être ostracisé, c'est pas grave. Il y a plein d'improvisateuristes qui, justement, de par l'amour de l'impro, après se mettent à faire du jeu dans d'autres médiums et qui gèrent blindé, quoi. Comme la radio, par exemple. Oui, dit-elle sur l'avant-dernier épisode du podcast. Non, c'est pas l'avant-dernier. Si ? Ah non, presque. C'est avant-dernier. Mm-hmm. Tout va bien. Hanté pénultième ? C'est vrai. Yes. Et... Ouais. Alors, je précise qu'à un moment, j'ai rigolé parce que Manu a eu un regard de genre « Je vais appuyer sur un bouton maintenant !» Elle a commencé à chipoter des trucs. Elle a vu que je l'ai vu. Non, je réalignais pour qu'on ait les bons trucs pour la suite. Eh bien, nous allons pouvoir commencer à jouer. Est-ce que tu es prête à jouer avec nous ? Je suis prête. Hicham, balance la première improvisation. Alors, nous avons un grand espoir dans notre organisation de réussir à faire en sorte qu'il ne s'agisse pas d'une impro affreusement morbide. Il s'agit d'une fée divers du web. Donc Marie, je t'encourage à essayer de réfléchir à un mot, n'importe lequel, qui te ferait plaisir. Je vais le rajouter à la fin d'une recherche qui s'intitule « Fée divers bliblablou ». Et on va trouver le premier article qui n'est pas affreusement morbide et on va, vous allez pouvoir vous baser. Je pense, toi et Manu, ce serait pas mal pour nous faire une impro là-dessus. Parfait. Je pense au mot tulipe. Tulipe. J'adore les tulipes. Je pense que c'est ma deuxième fleur préférée. J'ai hâte de voir les glauqueries en rapport avec les tulipes. Oh non, please. C'est genre un moment. Ça commence mal. Comment tu peux faire du mal avec une tulipe ? Découvrir du corps. Il y a des endroits qui s'appellent tulipes. Donc, les secours appelés sur un genre, je vais, etc. Super. On est sur Sudinfo, donc c'est plutôt... Ça promet. Ça promet. Qualité, vérité et justice. C'est ça. C'est leur slogan, hein, Sudinfo. Une énième agression, tout du moins verbale, s'est produite le 10 juillet dernier dans le quartier Tulip à Ixelles. Les riverains n'en peuvent plus des problèmes récurrents liés à un groupe d'individus. La police a bien conscience des difficultés. Ça, c'est le sous-titre de l'article. Et je pense que, en fait, c'est suffisamment vague que pour que vous puissiez raconter n'importe quoi, ce qui me paraît être vraiment la meilleure solution qu'il puisse y avoir. Donc, je vous lance là-dessus. Le quartier Tulip à Ixelles, l'insécurité... Un groupe d'individus, la police ne sait pas quoi faire. C'est parti ! On nous a encore appelé, là. Non. Si, je te jure. Mais j'en peux plus, hein, moi. Non, mais...
Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Tous ces compliments, là. On peut plus les entendre. Non, mais il faut qu'on fasse notre boulot. Agnès, faut qu'on fasse notre boulot. Je sais. Alors, on va... prendre la voiture de patrouille, on y va ? Ah oui, Dom, on y va. Bon. Et s'ils sont là qui nous interpellent, on répond pas, on fait notre boulot. On répond pas. Oui, bien. On est juste là... Je sais. Mais, tu sais, j'en fais encore des cauchemars. Elle m'en parle pas. La dernière fois, la con. Hé ! Qu'on y est déjà ? Hé, hey, s'il vous plaît bien, ouvrez la fenêtre ! Continue à rouler ! Ouvre pas la fenêtre, ouvre pas la fenêtre ! Hé, hey, les agents des forces de l'ordre ! Elle toque à la fenêtre ! Comment ça, elle toque ? Ok. Ici 2612, demande du renfort. Oh, bien le bonjour ! Ça va dans la patrouille numéro 560 ? Ils ont envahi la radio aussi. Ils ont détourné notre radio. J'espère que vous passez une bonne journée. De notre côté, on vous passe un super moment. Vous voulez... Non. C'est gentillesse. Voilà. J'ai détruit la radio. Ça. Ils nous auront pas par là. Je parque la bagnole. Vas-y. Bon, okay. T'as bien ton gilet pare-balles ? Ouais. Je te couvre, tu sors ? Oui. Un. Deux. Trois. Ah bonjour, j'ai toujours rêvé d'être policier, bonjour, vous êtes très gentil. Ah, regardez, il essaye de me tendre la main. Je la prends pas, c'est sans doute un piège. Il me donne un bonbon. Eh, avouez-moi, est-ce que je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Ouais, ah, bien joué. Ok, attention, il y a une petite vieille qui arrive là, il y a une petite... C'est celle qui est toquée à ta fenêtre. Vous êtes si brave, tenez, prenez une petite galette. Clic-blanc. Au sol. Ok. Vous faites bien votre travail, j'ai super mal. Qu'est-ce que danser ? On est là pour faire des bavures policières ici, ok ? C'est les renforts. Bonjour. Bon après-midi, ça oh va, tout va bien. Oh alors, nous avons été appelé depuis la zone d'à côté pour quelques petits. Ça va, vous êtes un peu nerveux, dites. Hein, vous voulez un café ? Allez, vous êtes sûr que vous voulez pas revenir au poste ? On en reparle avec votre supérieur hiérarchique et on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider, bien entendu. On n'a pas besoin d'aide. Cours, Agnès, cours, secours. J'ai envie de dire que vous avez sans doute besoin plutôt d'aide. Reviens. Tout va bien. Mais oui. Tout se passe bien. Tout se passe super. Voilà. On a abattu. Tulipe, tout va bien. Marie Chauderlot, improvisatrice, réalisatrice, a abattu un enfant de sang-froid. Personnage. Je lui souhaitais une bonne journée. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Marie Chauderlot, née le. C'est la légitimité. Numéro national. Ma police préférée, c'est la comics en MS. Oh ! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, si j'avais fait cette blague, j'ai l'impression que je serais fait shamer au-delà de toute mesure. Bravo. Ah non, on va laisser planer cette blague. Hein, là. On la laisse planer quelque chose. Elle est belle. Hein. Et bien, est-ce que ça t'a lancé ? Est-ce que tu te sens prête pour une deuxième improvisation ? Toujours prête. Manu, qu'est-ce oui. que tu as dans ta besace ? Eh bien, dans ma besace, sachant qui venait, j'ai préparé une réplique de film. Alors, dans cette improvisation, j'ai isolé les répliques d'un dialogue de film. Et je vais à chaque fois jouer une réplique. Et puis, tu pourras jouer la réponse, finalement. Alors, c'est un film qui n'est pas connu pour la qualité de ses dialogues. Donc, ses dialogues sont courts. Donc, il n'y a pas énormément de répliques. Donc, voilà, n'hésite pas à aller rapidement dans le vif du sujet parce que ça va aller assez vite de mon côté. Et évidemment, bonus, même si ce n'est pas du tout obligatoire, si tu découvres d'où viennent ces répliques, eh bien, tu gagnes toute notre estime. Waouh. Il ne veut pas grand-chose, strictement parlant, mais... Non, mais voilà, de qui, quand même. De comment tu le values. Toute ma valeur de culture générale cinématographique remise en jeu. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ta crédibilité. Alors, attention, tu es prête ? Oui, je suis prête.
Attention, donc oui, je vais commencer avec ma première réplique. Attention, c'est parti. Il y avait ça pour toi dans le courrier. Tu pourrais me dire de quoi il s'agit ? C'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Tout simplement une... Tu vois bien, c'est une bête carte postale des Antilles. Je ne vois pas pourquoi tu prends ce ton inquiet. Mais as-tu perdu la tête ? Je préférerais 10 coups de fouet en place publique que de te voir courir à la ruine de ta vie. Mais ne monte pas ainsi sur tes grands chevaux. Je te jure, c'est seulement un ami qui passe du bon temps et... Bon, je me disais que peut-être que ce serait l'occasion pour toi et moi de partir aussi en vacances. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus partis en vacances à deux, hein. Qui t'a donné cette idée ? Ça doit être ce professeur. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Tu sais très bien de qui je parle. Écoute, en effet, il est professeur, voilà. Il est professeur aux Antilles. Et il s'appelle Georges. Il s'appelle Georges et on se connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, il était venu pour mon anniversaire, tu te souviens pas ? Enfin, bref, évidemment qu'il m'a donné cette idée et je me suis dit que c'était vraiment peut-être l'occasion pour toi et moi de, je sais pas, passer du bon temps, que tu penses à autre chose de ton travail, que tout simplement qu'on se retrouve. Voilà. Quel nom stupide ! On avait passé une loi interdisant le recrutement des élèves dans les écoles. Écoute, je te trouve que tu montes vite dans les tours. Sincèrement, moi, je te prépare des vacances. En plus, j'implique mon ami Georges, déjà. Je trouve que Georges est un nom très respectable. Et après, on peut partir ailleurs, hein, si tu préfères. Moi, je ne suis pas arrêtée sur les Antilles. On peut très bien partir aussi à Anvers. Tout est bon pour moi. Bien, excellent. Car tu vas à Harvard, c'est tout, ça vient de finir. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu m'as dit. Bien, excellent. Car tu vas à Harvard, c'est tout, ça vient de finir. Je vais à Harvard ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Mais pourquoi tu m'as caché cette lettre ? Les Antilles, les États-Unis, tout me va tant que tu viens avec moi, au final. Hein. Et après, je pourrais très bien, en fait... vivre ma vie sans toi, j'ai l'impression que peu importe, tu n'as pas l'air très tenté de partir à mes côtés. Tu veux voir la galaxie ? Que dirais-tu d'un voyage sur les anneaux extérieurs ? Zegema Beach. Hein ? Tu me proposes un voyage dans les... C'est la plus belle chose que puisse m'offrir, je... Adieu Harvard, adieu les Antilles, adieu Anvers. Partons dans les étoiles. Merci beaucoup. Très bien, ça va. Ça va, j'ai pas reconnu. Non. Moi non plus, j'ai pas quelqu'un là. Bon, après, j'ai été spoilé par Manu m'a spoilé à l'avance. Ah oui, on en a parlé avant le début. C'était dans le début de Starship Troopers. Où le héros veut s'engager dans l'armée, dans cette espèce d'armée complètement fasciste, et son père ne veut pas qu'il s'engage, et puis voilà. Puis après, il y a un énorme astéroïde qui détruit ses parents, et du coup, il est empli de vengeance envers les insectes, et il veut aller les tuer. Oh, wow. Ah, c'est les gros insectes géants de l'espace, là, du désert, là. Ouais. Oui, oui. Exactement. Mais c'est vraiment un film très satirique et qui a un vrai propos sur le fascisme et le militarisme et l'armée et tout ça. C'est vraiment un très chouette film, bon, qui est un peu vieilli, mais... Oui, j'ai eu du mal, hein, moi. Mais très drôle. Et du coup, cette dernière réplique sur aller dans l'espace après avoir parlé de vacances aux Bahamas et à Anvers pendant tout le reste, c'était très drôle. Ça tombe à pic. Absolument. On dirait presque que tout ça a été écrit. On a presque rien préparé. Ouh, si le public savait ce qui se passe dans les coulisses. Mais ça, en vrai, j'ai vu un post de la FBI aujourd'hui sur les répliques qu'on en a marre d'entendre en improvisation. Ok. Et Timmy, vraiment, vous avez pas répété ? Mais c'est un gros cliché, mais c'est vrai. J'ai tout le temps des gens qui sont là. En vrai, c'est pas. Ça, c'était répété, ça. C'est pas possible. C'était répété.
C'est pas possible, c'est que des Canadiens qui posent la question. Oui. Des Québécois. C'est parce que je suis gênée. J'ai des accents quand je suis gênée. C'est tout le Marseillais, c'est vraiment. Vraiment, en date. C'est bon à savoir, hein. Mais en date, c'est problématique. Hein, oh. Ah, tu nous plais, c'est plutôt chouette de te voir. Mais ah. c'est gêné bien ou gêné pas bien, ça? Ah, elle se tortille sur sa chaise. Ouais. Fais l'autodescription. Yamete. Yamete Kudasai. Moi, je vais passer à la troisième proposition. C'est bien, ça fait l'audio description, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas besoin de savoir comment elle bouge. Il suffit d'entendre quel accent elle a. Et quand je suis en colère, je prends un accent québécois. Et, Est-ce que t'allais dire J'essaie de trouver un accent pas problématique. Flamand. Il y en a pas beaucoup. Il y en a deux. Et encore. Bon. Troisième improvisation, donc peu chère. Ah, tu peux le refaire maintenant. Une moment là, à Oscar. Une moment à Oscar. Vous deux, vous ferez une improvisation avec un petit mot de départ aussi que je vous offrirai parce que je suis d'humeur généreuse. Et à un moment, je ferai et je dirai toi, ce moment-là, c'est un moment qui t'a valu un prix d'interprétation aux Oscars. Et yes, là, s'ensuit une aparté incroyable équivaut 1000 Oscars jusqu'à ce qu'on revienne à l'improvisation. Okay. Il peut y en avoir autant que je veux des moments à Oscar. Plein d'Oscars. Plein d'Oscars. Il y a 12 prix d'interprétation sur cette impro. Pour deux personnes. Votre mot sera tulle. Tulle. Et c'est parti. Mais non, ça va pas en fait, ça me colle à la peau en fait. Mais cela vous va à ravir. Cynthia, je ne vais pas mettre un maillot de bain en tulle. Mais pourtant, je trouve que ça met vos formes en valeur. Mais oui, mais ça me colle à la peau, Cynthia. Écoutez, Cynthia, on va pas revenir là-dessus pendant des heures. Je respecte votre travail, mais vous n'êtes que la costumière. Alors au bout d'un moment... Ce moment-là, Hicham, t'a valu un prix aux Oscars. Et moi ? Moi, tout ça, c'est mon projet, c'est ma vie. Ça fait des années que je me décarcasse. Je suis pas devenu comme ça, la personne que je suis du jour au lendemain. Et c'est pas une petite comme vous qui va tout me gâcher aujourd'hui. C'est mon soir, c'est ma journée, c'est mon plongeon. Et je ne veux pas d'un maillot qui me collera aux cuisses quand je toucherai l'eau. Ça fait un plus grand splash et ça me désole d'avoir à vous expliquer ça. Alors que je me suis donné, je me suis entouré des meilleurs. Et si vous êtes ici, c'est parce que je vous considère la meilleure. Mais ce statut de meilleur, ça se mérite. Alors montrez-moi Cynthia que vous le méritez. On retourne à l'impro. Gustave, je vous ai vu depuis tout petit à passer toutes ces heures à travailler dans la piscine alors que vos parents travaillaient loin et vous démenez. Et je sais très bien que vous avez perdu beaucoup de temps et d'énergie là-dedans et je veux juste vous accompagner. Oui, bah alors faites-moi un slip en Gore-Tex. Eh bien, je vous ferai un slip en Gore-Tex. Ce moment t'a valu un prix aux Oscars. Gustave, je vous ferai un slip en Gore-Tex. Parce que je me sens un peu responsable de vous, je suis un peu comme votre mère. Quand vos parents étaient partis, c'est moi qui vous faisais à manger, c'est moi qui vous lisais les histoires le soir. Et je voyais dans vos yeux toute votre ambition et les larmes qui perlaient au coin et coulaient jusqu'à votre bouche, que vous léchiez avec votre petite langue, parce que les petites larmes salées, c'est quand même délicieux. Et je ferai votre slip en Gore-Tex, Gustave, parce que, au final, moi, je suis juste là pour vous amener encore plus haut, encore plus loin, pour que vous n'ayez aucun regret. Alors oui, Gustave, je vous ferai un slip en Gore-Tex. Même deux ou trois, si vous le souhaitez. Ok,
Ok, bah voilà, voilà, c'est pas si compliqué de faire ce qu'il faut. Bon, ok, où est-ce qu'ils sont mes toasts au saumon ? Là, j'ai besoin de collagène, je sens que je suis en déficience de collagène. Par contre, Gustave, là, je suis toute seule aujourd'hui, donc on va prendre les choses avec douceur et amabilité. Hein. Pardon ? Comment ça, pardon ? Toute seule ? Bah oui, je... Et le reste de l'équipe, il est où ? Écoutez, Gustave... Non, mais je vois ce qui se passe. Nous sommes le 1er mai, vous savez... Cynthia, je vois très bien ce qui se passe. C'était trop, hein ? C'était trop de me voir arriver presque au sommet. Non, il faut absolument que je reste votre petit bébé. Eh bien non ! Non, 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 c'est ma liberté, c'est mon projet, c'est à moi ! Et pour terminer cette improvisation, nous aurons un dialogue ultime qui aura valu à vous deux un prix d'interprétation en 12 catégories. Gustave, j'ai mordu sur ma chic toutes ces années parce que j'ai mis beaucoup d'espoir en vous. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous laisser me parler comme ça. Ah ouais ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Redevenir une nourrice, une simple nourrice, alors que je vous ai tout offert ? Eh bien, peut-être que je deviendrai la nourrice de quelqu'un d'autre qui saura voir en moi ma vraie valeur. Et pas d'un petit con, oui, j'ai dit le mot ! Un petit con comme vous en slip en Gore-Tex ! Quelqu'un qui mettra mes maillots en tulle ! Quelqu'un qui osera voir en moi une autre chose qu'une nounou qui obéit à ses ordres. Pardon, Cynthia. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est le stress, la pression, j'ai été trop loin. Je vais mettre le maillot en tulle. Pardon, Cynthia. Pardon. C'est pas grave. Bravo! Je vous ferai un slip en Gore-Tex. Ouais, je sais, je me suis dit que c'était... C'est une vraie matière? Oui, oui, le Gore-Tex, ouais. Je m'y connais pas. La pluie, normalement. Oui, c'est très surfait, surtout. Un des polluants éternels. Hein. Ah ouais? Le Gore-Tex. Wow. Je me conseille pour un slip. C'est très surfait. J'avoue. Le slip en tulle, quand même, je demande à voir. Il y a un concept. Peut-être moins polluant, mais moins utile. Utile. Oh là là. Puis l'aérodynamique pour le plongeon, tu vois. Un peu moins opaque aussi, peut-être. Oui, surtout. Dévoilant. Or, t'as beaucoup de couches de tulle. Tu as une espèce de lange en tulle au final. C'est pour réduire les turbulences autour des poils pubiens. Les turbulences. Tu mets les tululances. Les turtulances. Bon, sur cet humour fin et sans fin et éternel et polluant, nous allons doucement toucher à la fin de cet épisode. Mais ne craignez rien, Marie revient dans 2 semaines. Elle rentre chez elle et elle revient après. Sieste de 2 semaines et je suis de retour, quoi. Voilà. Mais j'y viens. Mais sachez qu'elle ne va pas vous laisser comme ça sans rien. Elle a certainement des dates où vous pourrez la voir et surtout un coup de cœur à nous proposer. Oui, je commence par les dates. Vas-y. Avec les Motus, nous jouons notre spectacle, par exemple, au Cookenbook à Woluwe et Saint-Lambert, le jeudi 6 juin, qui est la dernière date de l'année. Et j'ai bien hâte, parce que c'est inspiré de livres que le public nous donne. Et dernière partie, c'est les personnes qui travaillent au Cookenbook qui nous proposent une histoire qu'on revisite sur une plus longue forme. Et c'est toujours très chouette. Et en termes de coup de cœur, comme nous sommes dans un podcast d'improvisation, n'est-ce pas, je vais proposer un livre que j'ai lu qui s'appelle « Jouer sur le banc », qui est un essai sur justement les joueuses d'improvisation. Ça a été écrit par une photo parce que je suis nulle pour retenir les noms. A été donc écrit par Lucie Joubert et Emmanuelle Walsh-Villot, qui sont des Québécoises. Et donc, ça parle de comment, en 1980, les joueuses de la LNI ont fait un manifeste pour un peu remettre en question la manière dont elles étaient vues par les joueurs d'impro sur scène. Et donc, ça remet plein de questions sur la manière dont les improvisatrices sont vues par le public, la manière dont on laisse plus ou moins de place, ou bien est-ce qu'on arrive en tant que femme à prendre la place qu'il faut. Et donc ça remet plein de,
de choses en question. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour toutes les improvisatrices de le lire, pour aussi en fait s'ouvrir à peut-être des questionnements qu'on n'a pas et souligner des problématiques qu'on n'a pas forcément, sur lesquelles on n'a pas forcément l'œil. Il n'est pas trouvable physiquement, je pense, en Europe, mais il y a moyen de l'acheter en virtuel, quoi, e-book. Et sinon, je l'ai, donc je peux le prêter aussi, si vous voulez. À tous les auditeuristes. Voilà, ouais. Tout le monde. Il faudra faire une liste avec des numéros. Oui, c'est ça. Trop cool. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai bien envie de le lire. Mm-hmm. Et ben, avec grand plaisir, je te le prête. Je vais voir, parce que ça a été écrit dans les années 80, du coup. Non, en fait, l'essai est contemporain. Ah oui, mais c'est ça. En fait, ça part du fait qu'il y a eu ce manifeste dans les années 80. Ah oui. Et en fait, les autrices analysent, du coup, il y a des retranscriptions d'impro qui ont été faites post-manifeste. Et elles essayent de voir si, du coup, ce manifeste a changé ou pas. Ah, ou wow. Dans les dynamiques et tout ça. Ah oui, parce que je me disais, c'est intéressant de voir ce qu'un manifeste des années 80 ou 80 ouais. parle aujourd'hui, où ces questions sont très présentes et tout machin. Ouais. Mais à lire aussi, du mais coup, le manifeste. C'est hyper intéressant aussi, ouais, d'analyser. Et c'est là qu'on voit aussi, je trouve que vraiment, mais après, c'est parce que l'impro existe au Québec depuis bien plus longtemps, mais que, en fait, c'est des questions qui, j'ai l'impression, arrivent chez nous depuis 5-6 ans. 5-6 ans, alors ouais. que là, ça date des années 80. Mmh. Là, on a un peu de retard. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que ça traverse à la nage. C'est ça, ça met un petit peu de temps. C'est ça. Il suffit qu'il y ait des vents contraires et tout. Ouais, c'est ça. Tu niques le Gulf Stream, il s'inverse pas. C'est ça. Eh bien, les amis, c'était bien le fun. Vous êtes prêts pour encore plus de fun en 2 semaines? Oui! Et vendredi, vous êtes en... Oui!